Je suis
Donc, je vous laisse Madame Yeo, Madame Yamasa Nama Pichuyeo, donc parrain, la marraine, donc c'est mon ami vraiment, donc nous avons aussi journée en haut. Bana, monsieur Soubanou, nous avons la communauté pour donner le souci pour célébrer le mariage d'Avalo. Donc voilà, donc déjà je vous laisse. Donc nous avons, on est là, pour les avoir les bandes. Donc, nous allons continuer à suivre. Oui. C'est pas pareil. Merci. Ah, merci. Merci.
Vous voulez qu'ils viennent à côté de vous, ce sera plus sympa pour eux. Oui. Hein, bah, ils peuvent venir s'ils veulent. Vous venez à côté de vous. Mairie des Ulysses et plus principalement dans la salle des mariages. Alors, vous avez des enfants, je crois. Oui. Vous voulez qu'ils viennent à côté de vous, ce sera plus sympa pour eux. Oui. Hein, bah, ils peuvent venir s'ils veulent. Vous venez à côté de papa et maman. Allez, vous avez le droit de venir. On n'est pas beaucoup, là, on est entre nous, donc voilà. Hein? Voilà. Hein, vous restez à côté de papa et maman qui vont se marier. D'accord? Voilà. Voilà, comme ça, c'est mieux. Hein? Donc, votre mariage, que j'ai l'honneur de célébrer aujourd'hui, restera à tout jamais un des moments privilégiés de votre vie. Ce moment où vous allez vous dire oui, scellera officiellement, devant vos familles, vos amis, devant la société, vos deux vies dans le but de créer ensemble une nouvelle famille, qui est déjà présente d'ailleurs. De construire un projet de vie commune, unique, car chaque couple est unique. Il sera ce oui, la concrétisation de votre amour. Un mariage doit être fait de respect mutuel, de devoirs réciproques, de responsabilités communes pour un bonheur partagé. En cela, le mariage est un acte important et responsable qui vous engage l'un vis-à-vis de l'autre et de la famille que vous créez en vous mariant. Mamicho. Dubu Silawa. D'accord. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Vous entendez les boutchous, hein? Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité et l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Monsieur Ibel, Thierry Bokele, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Mamicho Dubu Silawa, ici présente? Bien sûr que oui. Madame Mamicho Dubu Silawa, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Ibel Thierry Bokele, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare M. Ibel Thierry Bokele et Mme Mamicho Dubu Silawa unis par le mariage. Merci. Merci. On peut faire le bisou, mais on ne peut pas maintenant, on ne peut pas tout à l'heure. Le 7 août 2021, à 15h à Les Ulysses-Essonnes, devant nous ont comparu publiquement la maison commune, Ibel Thierry Bokele, agent de production né à Kinshasa, Zaïre, le 11 juin 1975, domicilié à Les Ulysses-Essonnes, 25 allée des Amants, d'une part, et Mamicho Dubu Silawa, sans profession, né Kinshasa, République démocratique du Congo, le 28 octobre 1987, domicilié à Les Ulysses-Essonnes, 25 allée des Amants, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Pichu Lonkaka Litumba et Beliane Lunda, Ninyongo épouse Lonkaka Litumba, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous. Annick Lepoule, adjointe au maire de la commune de Les Ulysses, officier de l'état civil.
officier de l'état civil. Vous allez là, vous allez là. Michel, allez-vous le passer. Après. C'est parti. Hop. Encore une deuxième. C'est parti. Hop. Très bien. Michel, Kenan, allez-vous le passer. Michel. Et voilà, c'est parti. Hop, encore une deuxième. Attendez, très bien, c'est parti. Hop, impeccable. Merci beaucoup. Thierry Binobo, c'est plutôt toi qui m'a donné le nom qu'elle est. Attends, ma barre est le bac. Bon. Thierry, bon, mais ça va. Qu'est-ce que tu veux? C'est un certificat. D'accord, très bien. Merci. Toutes mes félicitations et puis. J'ai longtemps que vous habitez les hélices. Oui, ça fait. Depuis 2015. Ah, oui. D'accord. Fini de son amère. Très bien. Faites entrer la fille au milieu. Peut-être le masque. On garde le masque. Ouais, c'est mieux, voilà. Merci beaucoup. C'est parti. Hop. Très bien. Merci, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Papa bomba na sima, l'exa le bon on est sima. Pour le bon, l'exa le bon on est sima. Le bon on est papa, le bon, pardon, c'est un peu de nazo. Ango, Ça fait une bonne.
papa.